On va recommencer. T'es prêt, Thomas? Ouais. Ok, bah du coup, Carlos, Maestro Billy, son acacia. Oh C'est bon? Ouais. Donc, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Thomas Péan, qui est en train de Bonjour. pub. Qui vient de publier un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Les guérillas en Amérique latine, 1959-1989 » par VA Édition. C'est un livre que j'ai commandé, j'ai commencé à lire, très intéressant. Et donc, nous allons faire une extraction des quelques thèmes qui ont été abordés dans cet ouvrage. Et nous allons parler, les approfondir avec Thomas dans une discussion. Donc, il y aura de l'émergence, on va parler de l'émergence des mouvements contestataires urbains en Amérique latine, le rôle joué par les artistes et les intellectuels, l'établissement des régimes contre-révolutionnaires, les transitions à la démocratie, tout ce qui concerne les enjeux des droits de l'homme. Bref, il y a beaucoup de choses. Sur lesquels nous allons parcourir ensemble. Donc, bienvenue Thomas, un plaisir d'être avec toi. Et puis, tu peux déjà commencer à parler de l'émergence des mouvements contestataires urbains et faire ton introduction. Voilà. Ok. Déjà, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être une nouvelle fois en échange avec vous tous. Merci pour les différents commentaires qui ont été faits. Donc, comme tu l'as indiqué, Eric, dans le livre, j'aborde la thématique des mouvements urbains contestataires qui se distinguent fondamentalement des mouvements, des guérillas rurales. Donc, je commence le livre en 1959 avec la révolution cubaine. Dans les années 60, il y a un ensemble de différents mouvements qui émergent au Chili, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, qui correspondent chacun à des réalités nationales et locales différentes, sur lesquelles je vais revenir, mais qui s'inscrivent dans une effervescence révolutionnaire, contestataire, des années 60, qu'on retrouve aussi à la chaîne internationale, et qui débouche sur l'instant 1968. Si on commence par le Chili, donc vers 1965, il y a le MIR qui se développe. Donc le MIR, c'est Mouvement de Gauche Révolutionnaire. Il se développe dans dans les cénacles socialistes, syndicalistes, étudiants, contestataires de Concepción et de Valparaíso, au Chili. Son secrétaire général est Miguel Enríquez, qui est assez connu, si on peut dire. Et donc, il se structure tout au cours des années 60 et à l'époque de quand Allende est élu en 1970, il devient une sorte de... Alors, il n'y a plus de lutte armée, il n'y a plus de logique de lutte armée en tant que telle, mais d'appui au sein du gouvernement. C'est-à-dire qu'il arrête pour le moment la lutte armée et il devient une sorte d'acteur politique, syndicaliste. Il a laissé présent au sein des universités aussi. Il organise aussi des campagnes d'aide sociale dans les bidonvilles, dans les quartiers populaires. Donc voilà, ce genre d'acteur. Et puis après, dans les années 60, à partir de 73, il repasse à la clandestinité jusqu'en 1990. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des... Ouais, en fait, une chose qui m'intéresse là sur cette thématique, c'est est-ce que tu vois d'abord des différences fondamentales entre ce qui se passe dans les années 60 en Europe et aux États-Unis par rapport à ce qui se passe en Amérique latine, hein? Et puis, est-ce que tu pourrais parler sur les différences entre l'émergence de ces différents mouvements dans les cônes sud? Donc, c'est ce qu'il y a au Chili par rapport à ce qu'il y a dans l'Argentine, au Brésil, etc. Ok, donc pour répondre à ta première question,
comme vous le savez sans doute, dans les années 60, il y a vraiment comment dire, une sorte d'effervescence contestataire en Europe, aux États-Unis, au Cône Sud. Le Cône Sud, qui sont des sociétés plutôt urbanisées, plutôt européanisées, donc qui sont familières de l'action politique, de l'action étudiante, de l'action syndicale, depuis assez tôt, depuis le début du XXe siècle. C'est cette agitation qu'on retrouve dans les universités européennes, dans les universités américaines, la guerre du Vietnam, la critique de l'impérialisme américain, une volonté d'une autre société, etc. C'est des éléments qu'on retrouve aussi au Chili exactement. Et qui ensuite vont déboucher sur l'instant 1968, sur cette année où on retrouve des manifestations. Emblématique. Tout à fait, exactement. Ensuite, pour les autres pays, en Argentine, c'est un peu particulier parce qu'il y a l'empreinte vraiment fondamentale du péronisme, ce qu'on appelle aussi alors, au sein du péronisme, le péronisme révolutionnaire ou la tendencia. Donc, Perón, c'est un qui est président entre 1943 et 1955. Au-delà de sa présidence, il met vraiment en place une sorte de mouvement politique, gouvernemental, etc., le péronisme, qui est un étatisme, un développementiste, qui a damé le pion, on va dire, au syndicalisme, parce qu'il a vraiment un côté social. Il met en place vraiment une politique pour les ouvriers, etc., une politique travailliste, si on veut dire, par exemple, ce qu'on entend au Brésil. Donc, Perón, il est renversé par un coup d'État en 1955, il part en exil, et durant les années 60, il y a plusieurs mouvements. Il y a une partie des mouvements révolutionnaires urbains qui luttent fondamentalement pour Perón, mais c'est un péronisme révolutionnaire, c'est-à-dire c'est l'alliance entre la révolution et le péronisme. Les plus connus sont évidemment les Montoneros, qui apparaissent vers la fin de la deuxième partie des années 60, vers 1966-1967. Et un autre mouvement qui n'est pas péroniste, par contre, c'est l'ERP. Donc l'ERP, ça veut dire Armée révolutionnaire du peuple. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà. Donc il y a le paysage révolutionnaire argentin dans les années 60, c'est une partie péroniste, révolutionnaire, la tendencia. Et une partie plus guérilla urbaine, plus classique, socialiste, communiste, castriste, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le cas de l'Argentine. Est-ce que tu vois des parallèles entre le péronisme et le varguisme au Brésil, puisque tu parlais de développementisme, Ouais. travaillisme, etc. Puisque on sait qu'au Brésil, notre président dictateur, on va dire Vargas, c'était disons qu'il était plus ou moins facho, quoi. Et en gros, l'une des choses Ouais. qu'on remarque dans ces mouvements contestataires des années 68, c'était son antifascisme. Donc, comment on concilie ces Exact. éléments apparemment hétérogènes, en fait, Alors, j'irai l'intention, même c'est. plus loin. Ouais, vas-y. Ok. Du coup, je pense qu'il y a un certain parallèle entre Perón et Vargas. L'un, on l'appelle travailliste, l'autre, c'est plus développementiste, etc. Mais je pense que c'est vraiment la même logique. D'ailleurs, ils ont les mêmes ennemis, si on regarde. Ils ont à la fois. Alors, en Argentine, c'est l'UCR, qui est un. C'est des radicaux de. Alors, radical dans le sens du 19e siècle, début 20e. Et au Brésil, il y a l'UDN, qui sont aussi un peu libéraux, d'après ce qu'on. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, en Argentine comme au Brésil, l'objectif des différents mouvements, des régimes militaires, c'est de lutter en Argentine contre l'influence du péronisme et au Brésil de lutter contre l'influence du varguisme. Que j'avais lu vraiment qu'il y a c'est vraiment un jeu à plusieurs bandes. Hein. Il y a le varguisme dont les ennemis sont, on va dire, les dictatures classiques, les communistes et même les fascismes aussi. Le Oui, mouvement l'intégralisme, intégraliste oui. est ennemi au. Ouais. Tout à fait. Donc, ouais, il me semble pas que Perón ou Vargas, ce soit
Il y a eu un rapprochement à leur époque, parce que c'est des périodes de pouvoir différentes. Mais oui, je ne suis pas le premier à faire un parallèle. Il y a beaucoup de gens, des historiens ou des penseurs brésiliens ou argentins qui ont fait le parallèle. Ouais. Ouais. Au Chili, il y a un cas intéressant. Oui, vas-y. Non, je dirais, et comment cet élément péroniste il s'installe dans ces discours révolutionnaires des années 60, en fait? À travers, si on prend l'exemple des Montoneros, par exemple, rien que l'emblème des Montoneros, enfin la devise des Montoneros, c'est Perón o muerte. C'est vraiment une association entre le péronisme et la révolution. C'est limite du nationalisme révolutionnaire, en fait. C'est quelque chose qui est assez étranger aux notions européennes, c'est sûr, mais Ouais, c'est ça, je vois parce là, que c'est alors, important. quand on pense, par exemple, en Europe, quand on parle de 68, on n'associe pas forcément ces mouvements au nationalisme, quoi. C'est ce qui est assez différent du cas de l'Amérique du Sud, quoi. Exact. Non, non, c'est Ça, c'est vraiment différent, mais... ouais. Exact. Ok. Et le donc une fois, alors quelle est OK. l'issue de ces différents mouvements contestataires et les années des plombs en fait, qu'est-ce qui se passe par la suite dans ces cônes sud? Alors, juste un dernier point sur le péronisme. En fait, c'est un mouvement qui est tellement hétéroclite, tellement vaste, tellement complexe, que dans les années 70, les différents mouvements, les différentes branches du péronisme s'affrontent entre elles de façon très violente. Il y a des affrontements entre l'extrême droite péroniste, les escadrons de la mort péronistes et les Montoneros. C'est vraiment assez violent entre les deux. Et puis, je voulais rajouter sur le Brésil. Si c'est possible. Bien sûr, c'est toi le maître là, ce soir. Ok, ça marche. Au Brésil, c'est un peu différent parce que le régime militaire, il intervient dès 1964. Donc les mouvements urbains sont pas en partie à l'origine de la dictature, mais sont à l'inverse des conséquences de la dictature. Quand on regarde les différents mouvements qui apparaissent entre 1967 et 1974, c'est combattre la dictature, donc opposition armée, par la lutte armée, installation d'un régime révolutionnaire. Donc il y a l'ALN, c'est l'ALN, il me semble que c'est Armée de Libération Nationale, l'INA, il y a la VOP, la Volop, il y a la Volop, et il y a le MR8. Et puis, en parallèle de ces différents mouvements, il y a la figure de Carlos Marighella, qui écrit en 69 un manuel qui s'appelle Manuel de guérilla urbaine, qui détaille tous les éléments à suivre pour l'action armée. Donc, dans le livre, je montre un peu que c'est un peu. Il s'est pas présenté comme tel et il n'a pas eu un écho comme la révolution cubaine. Mais autant la révolution cubaine, c'est une révolution qui est plutôt, on va dire, rurale pour le castrisme, le guévarisme, le foquisme. Autant Carlos Marighella, c'est vraiment les zones, le Brésil, le cône sud, les sociétés urbaines, l'action urbaine, etc. Voilà. Et puis en Uruguay, il y a évidemment les Tupamaros. Qui font des à la même époque en Europe, avec le mouvement en Allemagne qui s'appelle Tupamaros West-Berlin. En France aussi, il y a un mouvement qui s'appelle Action Raoul Sendic, je crois que c'est ça, qui apparaît après 68, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a un... Donc on voit bien que c'est vraiment des sociétés différentes, c'est vraiment des situations différentes. C'est vraiment. Ouais, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que alors à cette époque-là, dans le paysage de la gauche, il y a plusieurs types de marxisme. Nous avons le léninisme, le stalinisme, il y a le maoïsme. Est-ce que tu pourrais parler en fait des... En fait, est-ce qu'il y avait des mouvements spécifiquement maoïstes, par exemple, ou alors d'autres?
qui était strictement léniniste ou quoi, je ne sais pas si tu vois. Si on prend par pays, le MIR, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la gauche, on va dire, type socialiste chilienne, bon, la branche radicale de la gauche socialiste. Les Montoneros, c'est plus du nationalisme révolutionnaire. Ouais, c'est un nationalisme révolutionnaire, péronisme révolutionnaire. Les Tupamaros, c'est de l'action urbaine. Et puis, au Brésil, il y a la guérilla de l'Araguaia, qui s'inspire du castrisme. Mais sinon, non, il n'y a pas de. Y a pas de... Non, ce n'est pas vraiment. Mao est un peu une figure tutélaire, comme dans la gauche radicale étudiante en 68, avec les portraits de Mao à la Sorbonne. Mais sinon, non, ce n'est pas vraiment. On trouve plus le maoïsme au Pérou dans les années 80 avec le Sentier Lumineux, par exemple. Sinon, c'est. Et en fait, on voit bien qu'en Amérique latine, il y a cette espèce de culture de l'intervention de l'armée, en fait. C'est-à-dire que tandis qu'en Europe occidentale et en Amérique, par exemple, ça paraît tout à fait, en tout cas dans le XXe siècle, hein, un peu décalé que l'armée puisse intervenir pour résoudre un impasse politique. En Amérique latine, c'est comme si les armées jouaient une espèce de pouvoir modérateur qui Exact. doit intervenir. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit ça, hein. Dès qu'il y a des impasses politiques, l'armée très vite devient l'un des acteurs du jeu de l'échiquier politique et pas juste une institution censée à obéir aveuglément en fait les délibérations du pouvoir exécutif, quoi. Exact. Il y a une Tout répression à très fait. forte, Bah, par exemple, pour reprendre ce que tu dis, on sort un peu du cône sud, mais dans le cas du Pérou, dans les années 70, il y a un mouvement militaire qui prend le pouvoir entre 1968 et 1980, mais il est complètement dans une optique. Alors, c'est assez différent du péronisme ou du varguisme, là. Là, c'est plus une sorte, c'est du nationalisme révolutionnaire. Le nom du gouvernement s'appelle Gouvernement révolutionnaire de la Force armée. Et ils font passer une réforme agraire, ils font des réformes de l'enseignement, de l'éducation, des mines, les syndicats, les droits des travailleurs. Ils font voter une constitution en 1979, la constitution du Pérou de 1979, et ils organisent le retour à la démocratie avec les élections de 80. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup, comme tu l'as très bien indiqué, c'est beaucoup plus complexe que militaire égale dictature égale le mal. C'est sûr, c'est des Oui, dictatures, Galala. c'est sûr, mais ça reste plus complexe que ça, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu des coups militaires qu'ils étaient forcément réactionnaires, qu'ils étaient des Exact. droites, mais on voit Non. bien, typiquement dans ces cas-là, qu'en gros, l'armée, dès qu'elle a pris les pouvoirs, déjà, elle revendique la révolution, donc elle agit au nom de la révolution. Et lorsqu'elle est au pouvoir, elle implémente une politique qu'on associerait au Parti socialiste aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Exact. Même plus radical que le Parti socialiste. Et tu vois, par exemple, au Brésil, c'est assez marrant ça, parce que pendant longtemps, disons que les récits de cette époque, ils ont été dominés par la gauche pendant très très longtemps. Et notre régime militaire a toujours été traité comme une espèce de conservadurisme, en fait. Un mouvement conservateur des droites, alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout ça. L'armée brésilienne est d'inspiration positiviste. Et quand elle était au pouvoir, ils ont mis en place, si tu veux, une vraie politique développementiste, quoi. Dans le sens où c'est à l'État d'investir dans l'infrastructure du pays de manière à le développer. Donc c'est quelque chose de très proche du keynésianisme, à la limite. Donc ça a débouché finalement dans des problèmes. D'inflation dans les années 80, mais si vous voulez, aujourd'hui, toute l'infrastructure brésilienne, elle a été construite pendant cette époque par le régime militaire avec un C'est pas plutôt investissement. le varguisme? C'est pas plutôt à Les l'époque de varguistes. Vargas?
Les varguismes, oui, mais disons que le varguisme, il avait une connotation idéologique, dans le sens, c'était Oui, c'est presque un assez vrai. fascisme, en fait. Il avait une Oui. exaltation de la nation, tandis que le régime militaire, c'était un régime positiviste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment, en gros, l'idéologie positiviste, elle veut agir au nom de la science, en fait. Elle dit, cette histoire des droites et gauches, ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un gouvernement technique, c'est une espèce de technocratie. C'est une espèce de technocratie dans laquelle tous les problèmes de la société doivent être résolus de manière par une approche technique, en fait, si tu veux. Si bien que les plus grandes figures de la droite brésilienne pendant la dictature militaire ont été écrasées. Tu regardes dans les années ben, en 1964, la plus grande figure de la droite brésilienne, c'était Carlos Lacerda, en fait. Exact, Et Carlos Lacerda. ils étaient censés organiser une élection 6 mois après. À la révolution de 64, donc au Brésil aussi, ils reprennent, voilà, on fait la révolution contre la révolution. Ils n'ont pas fait ça, parce que les généraux, ils n'aimaient pas Carlos Lacerda, qui était le leader de l'UDN, le parti des droites brésilien, et d'autres leaders politiques de la droite étaient complètement écrasés, quoi. Donc c'était pas un gouvernement réactionnaire des droites, quoi. Désolé, c'était pas ça. Exact. C'était pas ça. Et pour rajouter dans le cas du Brésil, j'ajouterais simplement que, en fait, alors pour dépasser un peu le cas du Cône Sud, c'est que l'expérience des militaires au pouvoir, si on peut appeler ça comme ça, est vraiment ultra variée, quoi. Il y a des cas d'alternatives politiques qui sont vraiment particulières, comme le péronisme, le varguisme. Il y a des régimes qui s'apparentent presque à des politiques révolutionnaires, radicales. Il y a des politiques technocrates, etc. Et puis, au sein même des régimes militaires, il y a des oppositions, etc. Enfin, il y a vraiment des gros conflits, quoi, entre Oui. différentes factions militaires, l'une et l'autre. En Argentine, il y a eu ça dans les années 60, avec le régime militaire dans les années 60, avant la dictature qui est assez connue. Il y avait les Los Azules contre Los Blancos. Il y avait les Blancs et les Bleus. Je crois que c'était un truc comme ça. Et les affrontements étaient vraiment importants, quoi. Ouais, même Voilà. justement, j'ai voyé cette semaine une interview d'un juriste brésilien qui est très connu, s'appelle Miguel Reale, qui écrit un bouquin qui s'appelle La philosophie du droit, qui disait justement qu'à l'époque du régime militaire, donc qui est dans le gouvernement de Costa et Silva, qui ne faisait pas partie de ce qu'ils appelaient la ligne dure de l'armée, ils envisageaient la suppression de tous les actes institutionnels au Brésil. Il y a eu le fameux AI-5. Aïe, C'était cinq aussi. des actes dans lesquels pas mal des garanties fondamentales en fait ont été supprimées. On dirait 2021 quoi. Mais bref. Et donc ils envisageaient une solution. Donc il y avait une partie de l'armée qui voudrait les enlever de façon à donner plus de liberté aux gens. Mais malheureusement, Exact. Miguel Reale disait qu'il est mort en fait en quelques mois après avoir lancé cette idée. Et puis il y a la ligne dure des militaires en fait qui ont repris les pouvoirs. Ils ont mis en place une espèce de triumvirat et donc ça changeait complètement. Mais voilà, il y avait des factions même c'était plus complexe qu'il paraît quoi. Exact, tout à fait. Oui, il y a eu des. Le... C'était... Ouais, la période 1969-1974 est dominée par la ligne dure. Et puis à partir de 1975 jusqu'en 1985, c'est l'assouplissement, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un point très intéressant aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats dans la société brésilienne qui est très, comment dire, elle est très polarisée en ces moments. Donc, il y a beaucoup de débats sur cette époque. Et par exemple, pendant la dictature militaire, c'était la période où la gauche a le plus prospéré en fait au Brésil. Parce qu'en gros, même s'il y avait une partie de la gauche qui était partie dans les guérillas, par exemple à la Guaya, pour s'y battre militairement, il y avait une autre partie de la gauche, en fait, qui, pendant ces temps, a adopté les stratégies gramsciennes, en fait, qui consistaient à occuper les espaces dans l'appareil de l'État, dans les universités, dans les médias, dans la musique, en fait, dans tous les éléments de la culture. Ouais. Ce qu'a fait le MIR au Chili, en fait.
dans les années 70. Tout à fait. Et donc, les militaires, qu'est-ce qu'ils disaient en gros? Ils appliquaient les stratégies qu'ils appelaient. Alors, je ne sais pas comment le transcrire en français, mais ils disaient qu'il faudrait un échappement en fait à la gauche. Donc, laissons-le faire ce qu'ils veulent. Même il y a Enio Silveira, en fait, qui était l'un des principaux éditeurs brésiliens à cette époque, qui gagnait de l'argent de la dictature. Les militaires lui donnaient de l'argent en fait pour soutenir sa maison d'édition, en fait. C'était une maison d'édition gauchiste, quoi, tu vois. Et c'est ces gens-là qui ont pris des pouvoirs au début des années 90 avec la Nouvelle République. Ce sont eux qui ont, bah, qui ont dominé la République, ouais. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il doit y avoir aussi un rôle du côté de... Alors là, c'est toute la logique gramscienne, comme tu l'as indiqué. Mais il y a aussi la constitution en 80 du PT, du Parti Travailleur, qui a dû avoir un effet d'organisation de tous ces réseaux, de toutes ces organisations, ces associations, etc., qui existaient, non armées, qui ont ensuite muté vers la social-démocratie et ce qu'on connaît aujourd'hui. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a avoir une association de... Pendant très longtemps, ouais, le PT, même le PT, c'était l'ancien. En gros, la vérité, c'est qu'au début des années 90, les seules forces en fait qui sont restées vivantes après cette période un peu spéciale, c'était la gauche en fait. Donc cette gauche issue des mouvements contestataires des 1960, mais avec une apparence plus adoucie. Ouais. Il y avait donc cette liaison avec la social-démocratie, et pendant on pourrait dire que des 1990 jusqu'à l'arrivée des Bolsonaro, on va dire, donc jusqu'à qu'il y ait l'ouvrage d'Olavo de Carvalho devienne célèbre au Brésil, il est ok, la gauche, on va dire le PT, qui c'était l'ancien parti communiste, et les social-démocrates, en fait, c'était une espèce de république en marche brésilienne, mais qui c'était la pire droite qu'il y avait, quoi. Tu vois, les mecs, ils étaient déjà traités des fachos, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont entamé leur mutation. C'est ce que tu dis avec toute la logique gramscienne, c'est des mutations dans les coulisses, quoi. C'est des mutations indirectes, ce qui donne après les résultats. Ok. Donc là, on pourrait enchaîner à la limite sur parler des artistes et des intellectuels. Ouais, tout à fait. Donc pareil, je vais décrire un peu comment je le présente dans le livre. Il y a plusieurs éléments, c'est que alors toute une partie des intellectuels, ce qu'on appelle à l'époque les compagnons de route en France, surtout en France, mais aussi en Espagne, etc., suivent avec intérêt, évidemment, ce qui se passe en Amérique latine, la victoire de la Révolution, etc. Vous avez peut-être vu la rencontre, il y a une photo de la rencontre entre Jean-Paul Sartre et Che Guevara, les échanges entre le castrisme, etc. Il y a Régis Debray aussi, qui sera en Amérique latine, au Chili, à Cuba, au Mexique beaucoup plus tard. Après, il y a aussi, alors parallèlement aux intellectuels, il y a une partie des artistes, principalement la chanson, on va dire, la chanson engagée, qui se montre assez solidaire de l'idée de révolution. Au Chili, dans les années 60, il y a ce qu'on appelle la Nueva Canción, donc la nouvelle chanson chilienne en français, qui reprend des thèmes. Ce qu'on appellerait à l'heure actuelle gauchisant, donc la valorisation de l'indigène, mais sous une forme un peu mystifiée, la dénonciation de l'impérialisme américain, la valorisation des classes ouvrières, etc. L'un des plus connus, il y a Victor Jara en français, avec la chanson El Derecho de Vivir en Paz, donc le droit de vivre en paix, qui est vraiment une chanson sur la dénonciation de la guerre du Vietnam, même qu'on est au Chili. Il a fait aussi d'autres chansons sur la partie indigène Mapuche, principalement, du Chili, sur les inégalités sociales au Chili, etc. Il y a aussi les groupes Inti, Limani et Quilapayún,
Ouais, c'est ça qui est la page jaune. Et tous ces mouvements et tous ces groupes font des tournées en Europe. Et quand Allende arrive au pouvoir, ils deviennent un peu leur. Comment on appelle ça ? Les porte-parole du nouveau gouvernement. Victor Jara reçoit des responsabilités au sein du gouvernement, dans des organisations culturelles, etc. Est-ce que vous avez des questions ? Là, ce qui est intéressant, à la limite, c'est quel est les regards portés par la gauche européenne sur ces mouvements, comment il y a été abordé, du coup, je ne sais pas, en France spécifiquement. C'est intéressant parce qu'il y a le fait révolutionnaire et puis l'utilisation du fait révolutionnaire dans le discours politique, en fait. L'utilisation qui est faite de ces faits révolutionnaires. Des années, on va dire qu'on peut prendre des années 60 aux années 80, ou après ce mouvement disparaît au cours des années 80, on va dire de Gaulle à Mitterrand, si on veut résumer. Il y a toute une partie de la gauche qui suit, alors intellectuelle et artiste en France, qui suit avec intérêt ce qui se passe, donc la révolution, l'arrivée de gouvernement militaire, etc. Il y a par exemple dans les années, je crois que c'est en 1974, il y a Yves Montand qui organise un concert en solidarité aux exilés chiliens. Il y a Costa Gavras qui fait pas mal de films dans les années 70 sur la dénonciation de la junte militaire au Brésil, la dénonciation de la junte militaire en Argentine, tous ces milieux-là. Il y a Simone Signoret aussi. Michel Piccoli aussi. En 1978, il y a la Coupe du Monde de football en Argentine. Et il y a plusieurs artistes qui appellent au boycott, dont Michel Piccoli, Yves Montand, etc. Voilà. Et après, dans les années 80, ça s'estompe. Il y a d'autres en France, il y a Mitterrand, il y a l'évolution de la gauche, une partie de ces gens-là évolue ensuite vers le néolibéralisme ou le néoconservatisme. Donc après, ouais, c'est un phénomène qui évolue, qui disparaît, on va dire. Voilà. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que, voyons, tous ces mouvements qu'il avait, il y avait peut-être une dimension patriotique. Après, on peut en parler plus en détail là-dessus, mais il avait une dimension nationaliste, quelque part, dans tout ça. Oui, dans la logique classique, en tout cas, oui. Mais n'empêche qu'ils sont... Ces mouvements-là, ils sont tout de même repris par la gauche française, qui n'était pas forcément nationaliste ou souverainiste, etc. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Ça, c'est l'une des contradictions, n'est-ce pas, de ces... Exact. Je ne sais pas si c'est lié, je me pose des questions, hein. Je ne sais pas si c'est lié à une incompréhension. Oui, il y a une du phénomène. Ouais. C'est tout le problème parce que en Europe et en Amérique latine, des notions comme république, libéralisme, socialisme, démocratie existent, mais elles renvoient de part et d'autre à des réalités qui sont complètement différentes. Donc, quand les uns parlent de République, ils pensent à quelque chose et les autres disent « Ah, République » en pensant à autre chose. Donc, ils pensent que c'est bien, mais en fait, ils n'ont pas la même conception. Je pense que c'est dû à ça, en fait, fondamentalement. Oui. Ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, c'est que même en Amérique latine, il y a une transmutation assez violente puisque les enfants des mouvements contestataires des années 60, ce sont des Lula, des Dilma Rousseff, qui faisaient partie d'ailleurs du VAR palmarès. Donc, il y a tous ces gens qui, pendant les années 90, là, mes amis brésiliens, ils peuvent confirmer, puisque nous étions bombardés par des notions d'anti-impérialisme américain, oui, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, ils ont adopté totalement les discours
discours mondialiste, en fait, globaliste de la gauche européenne et américaine. Donc, ces gens-là qui s'y battaient pour la souveraineté nationale dans les années 60, en tout cas dans le plan du discours, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le gouvernement brésilien, ils vont à l'ONU, en fait, et dire « Oh, regardez ce qui se passe au Brésil, il faut que vous fassiez quelque chose, la communauté internationale. » Tu vois où, c'est assez incroyable, quoi, comme les discours et comment les choses, comme disait Hegel, hein, les choses, quand elles se concrétisent, elles deviennent leur contraire, quoi. Exact, très bien dit. Exact, ouais. Pour rebondir sur le cas du Brésil, il y a en parlant d'artistes, il y a alors c'est quoi comment ça s'appelle ? La musique populaire brésilienne, la MPB, qui se structure à partir de. Alors ils disent que le début de. Alors c'est Tropicalia. Soit c'est Tropicalia, soit c'est MPB, qui se structure en 1967 avec un festival de musique où est présent Chico Buarque. Warke, Gaetano Veloso, Gal Costa, je ne sais pas si c'est des noms qui vous, en tant que Brésilien, oui. Vous connaissez tous ces réseaux-là, il y a Gilberto Gil, il y a Gaetano Veloso, Jorge Benjor, aussi. Tous ces éléments-là. Ah oui, ça parle, c'est des... sont très et cool. Évidemment, eux, ouais, donc par exemple, en prenant deux chansons, il y a deux chansons de Chico Buarque, Vai Passar et A Pesar de Você, qui sont des dénonciations indirectes du régime militaire. Et à plusieurs reprises, ces artistes participent à des manifestations d'opposition. Il y a une première manifestation, il y a des manifestations en 1968 qui s'inscrivent dans la contestation internationale. Et en 1983-84, avec le mouvement Diretas Já, on retrouve ces artistes Chico Buarque, Gaetano Veloso, etc. Tous ces éléments, toutes ces figures. Oui. Oui, tout à fait. Il y a Samuel qui fait bien remarquer qu'à l'heure actuelle, les artistes de gauche, par exemple Felipe Neto, ils en viennent même à demander l'intervention américaine contre Bolsonaro sur Twitter, alors que la gauche brésilienne est archi-célèbre pour son anti-américanisme. Exactement. Donc c'est cette transmutation de la chose en son inverse, comme le préconise Hegel. Ouais. Ouais. Très bonne remarque, ouais, du coup. Ouais, c'est ça, elles deviennent complètement, à 40 ans près, les choses changent complètement. Quoi. Ça complexifie beaucoup, je veux dire, même, il y a des gens qui s'y perdent, en fait, avec tous ces paroxysmes et ambiguïtés hein, du monde réel. Je vois typiquement en France beaucoup de gens du camp patriote souverain, voir dans la gauche latino-américaine une espèce de, comment dire, des amis de la lutte du souverainisme contre le globalisme, alors que ces gens-là, ils sont pleins dans le globalisme, quoi. En fait, ces gens-là, c'est pas des patriotes. Et puis, quand ils parlent de patriotisme, ça, c'est peut-être un élément intéressant. Tu as peut-être abordé, je pense que tu as abordé dans ton ouvrage, c'est le patriotisme de la grande patrie. Il y a les sujets de la grande patrie qui revient, qui est la grande latino-américaine. Latino-américaine, en fait. En parlant de ça, il y a le. En 1973-76, il y a une guérilla qui s'organise entre le Chili, l'Argentine et l'Uruguay, qui s'appelle la Junte de coordination révolutionnaire, qui dure 3 ans à peu près. Et qui réunit le MIR chilien, les Montoneros, je ne sais plus si c'est les Montoneros ou le RP argentine, et les Tupamaros du Uruguay. Et une sorte de convergence des mouvements qui dure quelques années, ouais, pas plus. Après, ils sont complètement réprimés. Donc ouais, c'est assez intéressant dans le sens où nous, par exemple, nous sommes un groupe d'élèves du professeur Olavo. Donc nous étudions la philosophie, en fait. Donc
Alors, ce qui nous est intéressant dans cette, alors dans ces phénomènes, c'est qu'au nom du même idéal, en fait, qui est l'idéal du patriotisme, nous avons des réalités totalement différentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les bolsonaristes brésiliens, quand ils parlent de défendre la patrie, ils font référence à des choses totalement différentes que ses ennemis, on va dire comme ça, comment dire, bolivariens, qui font référence aussi au patriotisme, hein, n'est-ce pas ? Exactement. Tous les deux s'y battent pour le patriotisme et pour des patriotismes qui sont complètement différents, quoi. C'est ça. Il y a vraiment deux éléments. C'est que il y a un premier point, c'est que l'Amérique latine emploie. Enfin, il y a des convergences de termes entre l'Amérique latine et États-Unis et Europe. République, démocratie, libéralisme, patriotisme, etc. Mais qui renvoie localement à des réalités qui peuvent aller jusqu'à l'inverse. Et le deuxième point, c'est que, comme vous l'avez indiqué, c'est que en 20, 30, 40 ans, les ennemis deviennent des ennemis, l'un devient l'inverse, etc. quoi. C'est vraiment... ça évolue beaucoup, beaucoup, ouais. Si bien que je voulais aussi, si tu me permets, Thomas, juste que à l'heure actuelle, on vit vraiment un tournant. Vous me corrigerez si j'ai tort, mais un tournant où gauche et droite commencent à se confondre d'une manière assez importante et. Il devient difficile, même avec les paramètres que nous donne notre maître l'arbre du calvaire, qui, de ce que je connais, sont les paramètres les plus clairs possibles, il devient difficile de distinguer la gauche de la droite, notamment en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Exact. En tout cas, si je peux parler du cas mexicain, c'est d'autant plus vrai qu'il y a la domination du prix ici. Et donc, il y a la présence du prix qui fait que gauche-droite ici n'a pas vraiment de cohérence, le clivage en tout cas. Et puis, je ne sais pas si c'est pareil qu'au Brésil, mais ici, les gens ne sont pas habitués à parler de politique comme telle. C'est pas quelque chose, c'est plus quelque chose qui est espagnol, français, voire argentin. Je ne sais pas si c'est au Brésil, c'est comme ça. Mais ici, non, ils sont vraiment, même en Colombie, en Équateur. Au Brésil, c'était les cas jusqu'à 2013. Les gens ne parlaient que des foot, en fait. C'était le seul sujet. Ouais, alors, les bagarres, c'était soit le foot, soit la religion, parce qu'il y a une émergence du mouvement protestant, donc qui fait un peu des rivalités avec les catholicismes légendaires ambiants. Mais depuis 2013, on va dire. Il y a un épisode important de l'histoire brésilienne. C'est un réveil du Brésilien au débat politique. Si bien qu'il est foot, commence à prendre la deuxième place dans les sujets des élections. Tout le monde parle politique aujourd'hui, même les grands-mères, la tante, WhatsApp. En fait, les gens sont vraiment à fond sur la politique. Ils ne parlent que des saints en ces moments, d'ailleurs. Les tantes au Brésil sont aujourd'hui un agent politique, hein. Ça change les élections. Et oui, Thomas, il y a un phénomène brésilien que ce sont les tatas du WhatsApp. Tatas du Zap. Tatas du WhatsApp, c'est les réseaux de toutes les mamies, en fait, de toutes les mamies patriotes qui, en gros, passent son temps à démentir les médias, tu vois, les grands médias. Et cette histoire, elle a pris une telle ampleur au Brésil qu'il y a des groupes WhatsApp qui ont été supprimés là, par Facebook, parce que WhatsApp appartient à Facebook. Et il y a même la Cour suprême des justices qui a persécuté des gens, qui a mis des gens en prison, disait que c'était le cabinet de la haine. C'est le cabinet de la haine. Mais oui, c'est pas comme au Mexique. Peut-être que le Mexique est dans l'état où le Brésil était avant 2013, je pense. Ouais, et puis en fait, si c'est assez marrant. Ils sont pas de... Ouais, c'est d'autres enjeux. Je pense qu'en Colombie, c'est à peu près pareil qu'au Mexique à ce sujet-là. C'est que les gens sont occupés à faire d'autres trucs, en fait, à survivre. Et puis, dans un sens, c'est mieux parce que
je vois, je suis un peu l'actualité rapide, enfin rapidement en France, enfin à distance de la France. Et faire trop de politique, c'est nocif en fait. C'est, ils discutent de, il y avait une citation comme ça sur l'Empire byzantin. C'était, ils étaient en danger par rapport à l'Empire byzantin. Ils discutent de la taille des ailes ou du sexe des anges, je sais plus, du sexe des anges. C'est un peu ça, quoi. C'est, ils partent dans des débats et. Alors qu'il faudrait avoir un peu un gouvernement qui soit. Et puis, c'est un phénomène moderne aussi, c'est que on voit la politisation de toutes les dimensions de la vie humaine, en fait. C'est-à-dire, ouais, les gens, ils vont. Aujourd'hui, notamment avec les. On va dire, les arcs-en-ciel, les révolutions arcs-en-ciel, tout ce qui est féminisme, gaysisme, racialisme, etc. En fait, c'est-à-dire, le débat politique, il y rentre dans les relations interpersonnelles, quoi. Exact. C'est-à-dire, maintenant, un gars, il aborde une fille, en fait, pour parler avec elle tout de suite. Il y a déjà la politisation de cet acte qui est interprété par certains comme une agression fasciste ou une cristallisation du patriarcat, etc. Alors que c'est tout simplement... Alors, il n'a même pas pensé à ça, tu vois. Donc, il y a en effet... J'ai te rejoint sur ces constats que la politisation, l'excessive, en fait, elle n'est pas bien pour la société. Elle est plutôt destructive, hein, je suis d'accord. Tout à fait. Je viens de voir, du coup, que Samuel... a réagi sur la carte indigéniste qui est présente, oui, tout à fait, elle est assez présente dans certains discours politiques, ouais. Ouais. Bah, ouais. Tout ce qui est la valorisation, par exemple, les communautés indigènes du sud-est ou dans l'état de Oaxaca, dans le sud-est, dans le sud, ouais, dans le sud du pays, sont assez présentes. Je voulais aussi en profiter pour faire un tour du côté de l'Argentine aussi. Parler oui. des artistes argentins à cette époque-là. À l'époque de la... On assistait un peu au même phénomène, donc au cours des années 60. Entre 1960 et 1976, quand il y a le régime militaire qui se met en place, c'est que tous les milieux contestataires urbains se retrouvent aussi dans la musique. Le rock argentin, alors rock au sens large... Les adeptes de musique vont s'effrayer si je dis ça, mais bon, ce qu'on considère comme le rock argentin. Des groupes comme Sui Generis, qui sont un peu comme les Beatles, hein, si on veut. Los Gatos aussi, les chats, le titre. Et qui c'est plutôt une critique un peu baby boomer, on va dire, quoi. C'est un peu dans le même esprit de 68, baby boomer, critique un peu de la société de consommation, cheveux longs, etc. Et quand le régime militaire est en place, entre 1976 et 1983, on retrouve aussi un certain rôle de critique de la part des artistes argentins. Pas autant que le tropicalisme brésilien ou la Nueva Canción Chilena, mais il y a quand même une partie importante, ouais, de la part de ces artistes. Voilà. Ouais, donc il y a vraiment cette invasion, enfin, je veux dire ces combats, il y a des reflets dans la culture, quoi. Ouais, c'est pas seulement au Brésil, mais dans tous les cônes des cônes sud, il y a ces rôles joués par les artistes et les intellectuels dans les combats. Hein. Tout à fait. Et puis c'est vraiment un truc des années 60, puisque quand on réfléchit bien, il y a entre 1962 et 1965, il y a le Concile de Vatican II, qui est une réforme de l'Église. Il y a aussi les conciles latino-américains qui sont un peu à l'origine de la théologie de la libération. Donc ça, c'est dans la partie religion. Il y a la partie associative, il y a la partie politique. Il y a une partie des partis communistes et des partis radicaux qui se scindent et qui évoluent ensuite vers les luttes armées parce que certains de leurs membres considèrent que le Parti communiste est un peu rétrograde et qu'il faut aller plus loin. Il y a une partie culturelle, il y a une partie musicale, enfin voilà, c'est différentes interactions qui se structurent. C'est ça, et bon, ça fait un peu penser à Gramscisme. Je sais qu'il y a, dans les cas brésiliens, il s'agissait d'une stratégie rationnellement mise en place avec une hiérarchie, avec des roadmaps, d'appliquer cette stratégie
pour le Brésil. C'est-à-dire que pour les constats des Gramsci, c'est que le problème, ce n'est pas la bourgeoisie, hein, mais c'est la civilisation, c'est ce qu'il appelle la civilisation occidentale. Ouais. Et donc, ce qui est préconisé stratégiquement, c'est de pénétrer toutes les institutions de la société, c'est-à-dire la religion, la culture, l'enseignement, de manière à faire que le parti ou l'idéologie du parti, c'est ce qu'il appelle l'idéologie du parti, aille l'omniprésence d'un impératif catégorique, hein, c'est la notion des Kant. Et donc, par exemple, dans la théologie de la libération, typiquement, qu'est-ce que c'est ? C'est la terrestrialisation du christianisme, c'est-à-dire de prendre le message du Christ, en fait, qui renvoie au salut de l'âme humaine et au refus du monde, en fait, en vue du salut de ton âme, de la vie éternelle, et dire non, en fait, Christ, il porte un message révolutionnaire, en fait. Donc Christ, exact. Il est là. Ce qu'il faut faire, c'est il faut aller aider les pauvres, il faut faire participer à des ONG, etc. Donc, c'est ça, c'est cette matérialisation du message chrétien. Donc, ça s'y voit dans la religion, mais un peu partout. Hein. C'est avec Paulo Freire, tu connais, je ne sais pas si tu connais Paulo Freire. Non, c'est un pédagogue. Des... Ouais. Un pédagogue brésilien qui est le patron aujourd'hui, hein, considéré comme le patron de l'éducation brésilienne, qui a mis en place aussi une méthode révolutionnaire de pédagogique, en fait d'alphabétisation, mais qui est aussi l'un des reflets de l'action du parti dans la vie culturelle du pays, quoi. Donc c'est, ok. C'est... Et pour rebondir sur ces éléments, j'ajouterais que, en fait, c'est vraiment plusieurs étapes, parce que si on prend la période 1960-2020, il y a eu quand même des évolutions et les ennemis. Enfin, il y a eu les années 60, il y a eu 68, après les années de plomb, 70, 80, une autre mutation, 80 aujourd'hui, une autre mutation. Donc les choses ont vraiment évolué, se contredisent, reviennent, s'allient, etc. Quoi. Ça varie beaucoup. Vous voulez. Ouais, allez, vas-y. Non, j'étais d'accord. Et puis, oui, il y avait la question des commissions nationales, peut-être les commissions, les droits de l'homme. Ça, je voulais l'aborder après, parce que je voulais en profiter pour voir un peu le cas des régimes révolutionnaires, des régimes contre-révolutionnaires, du coup. Yes, ok. Ok. Du coup, dans les années 60, il y a plein d'effervescence, de structuration, Lumière, les Montoneros, etc. En 68-69, il y a les mouvements, c'est un peu tout ce qui se passe dans les années 60, en 68, ça bourgeonne. Ça se développe. Il y a entre 68 et 74, il y a plein de manifestations étudiantes syndicales radicales en Argentine, ce qu'on appelle le Cordobazo, dans une trentaine de villes dans toute l'Argentine, ça dure 3-4 ans à peu près, et qui conduit à la fin de la dictature. Première dictature, et au retour. Au Chili, en 1969, il y a une répression d'une manifestation ouvrière à Puerto Montt. Et au Brésil, il y a les manifestations 68 contre le régime militaire qui était déjà en place. Et dans le cas de l'Uruguay, il y a aussi le cas des Tupamaros qui font des actions armées en ville, donc attaques de banques, séquestration de figures publiques, vol et explosion. Voilà. Ouais. Ouais, les fameux. Il y a un film brésilien qui est célèbre, qui s'appelle O Que É Isso, Companheiro. Ouais. Qui traite justement sur la séquestration d'un ambassadeur américain au Brésil à l'époque, oui. Qui était kidnappé. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Il avait. C'est ça, c'est en général, c'est les mêmes procédés, hein, d'un pays à l'autre, séquestration de figures publiques, attaque de banques, etc. Et donc, dans les années 70,
Vous m'aviez parlé des années de plomb. En fait, ce qu'on appelle les années de plomb, c'est concrètement l'affrontement entre la Révolution et ses ennemis, notamment la contre-insurrection. Et années de plomb, ça fait référence évidemment au plomb des balles. Donc, c'est des années qui sont c'est de la violence politique importante. C'est une violence politique qui est diffuse, qui est à la fois diffuse et indirecte, mais dans le sens où c'est pas du tout comme la Seconde Guerre mondiale au point de vue stratégique et logistique. C'est des affrontements qui sont comment on appelle ça ? C'est une guerre de guérilla, quoi. La guerre asymétrique. Voilà, c'est ça. Merci. Je cherchais. La guerre asymétrique. Parce que en face des guérillas, il y a ce qu'on appelle la contre-insurrection qui se développe. D'une partie des militaires qui sont opposés à la logique révolutionnaire. Il y a principalement deux grandes écoles, entre guillemets, deux grandes doctrines. Il y a la doctrine française et la doctrine américaine. La doctrine française, c'est l'expérience d'une partie de l'état-major français durant la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Cette expérience est ensuite transmise aux états-majors latino-américains, notamment argentins et brésiliens. Et du côté d'Amérique, c'est à la fois une transmission du savoir de ces personnalités françaises, de ces militaires français, et l'expérience du Vietnam. Et dans les trois cas, guerre du Vietnam, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, c'est quoi ? C'est confrontation à une guerre de guérilla, guerre asymétrique. Le Viet Cong, le FN, etc. Et il se base sur quoi ? C'est la constitution d'escadrons de la mort, c'est-à-dire des groupes militaires ou parapoliciers qui interviennent dans une semi-légalité ou dans la clandestinité, des actions indirectes, donc enlèvement de révolutionnaires, torture, disparition, centre de torture, etc. Voilà. Est-ce que tu vois des rapports entre les mouvements contestataires et la culture, enfin du trafic des drogues en fait latino-américain? Est-ce que tu vois des chevauchements entre la révolution, les mouvements contestataires de cette époque et aujourd'hui les trafics des drogues en fait, les dealers? Puisque je sais que dans la Colombie, il y a vraiment le cas de la FARC, en fait, la FARC qui commercialise de la cocaïne, en fait. Et on sait que la FARC, ils ont des liaisons avec des groupes brésiliens, des trafics comme le PCC, le CV, etc. Mais je sais qu'il y a certains, des gangs, des dealers qui ont aussi une connotation idéologique, quoi. Ouais. Déjà, le narcotrafic, c'est plus la région qui va du Mexique à la Colombie. Donc, ce n'est pas vraiment lié au Consul. Peut-être lié un peu au Brésil. La production, en tout cas. Ouais, c'est ça, la production. Et c'est un jeu à trois bandes, en fait, puisque même. Alors, on va s'écarter un peu du sujet, mais quand on parle des guérillas en Amérique centrale, le FMLN FMLN au Salvador et les Sandinistes au Nicaragua, il y a des interactions entre, c'est en fait ces trois acteurs, il y a la contre-insurrection, donc parti d'extrême droite, escadron de la mort, etc., les révolutionnaires et le narcotrafic. Et le narcotrafic peut s'allier soit avec les révolutionnaires, soit avec l'un, soit avec l'autre. Enfin, quand je dis allier, c'est à un moment, ils travaillent juste ensemble, c'est tout. C'est ça, en fait. C'est quand on regarde le conflit militaire, le conflit civil en Colombie, c'est ça. C'est qu'à un moment, les cartels travaillent avec les AUC, qui sont des escadrons de la mort en Colombie. Parfois, ils travaillent avec les RIA. Enfin, c'est assez. C'est des interactions. Je pense que c'est deux dans ce sens-là. Ce que tu dis, que ce n'est pas un élément dans les stratégies révolutionnaires. C'est plus une alliance de pression. C'est des interactions. C'est des acteurs qui sont présents dans le jeu local. Donc, c'est une source de financement, ça, oui. Mais de part et d'autre, hein. Chez la
contre-insurrection, c'est aussi une source de mouvement. Si je ne dis pas de conneries, il me semble qu'aujourd'hui, les FARC sont forces alternatives révolutionnaires de Colombie. Donc, il était devenu parti politique. Hein. Donc, si on regarde bien quelles sont leurs plateformes, leurs actions politiques, sont bien, ils ont bien un côté. Hein. C'est tout à fait à gauche. Et, donc, c'est idéologique. C'est un exemple, me semble. C'est ça. Exactement. Ah, c'est ça, c'est que vraiment, c'est... Ce qui se passe, c'est que les guérillas contribuent, seuls ou non, à une diffusion de la violence. En conséquence, en réaction, il y a des adversaires qui se mettent en place, qui sont souvent liés à la contre-insurrection. Cet état de violence qu'on appelle conflit armé ou année de plomb contribue, dans certains cas, à l'apparition d'autres acteurs, dont le narcotrafic, dans le cas de la Colombie, de l'Amérique centrale, etc. Pour résumer. Ouais. Excuse-moi, Thomas, est-ce qu'on en sait plus sur une possible articulation entre ces divers types de guérillas sur le plan continental, c'est-à-dire l'articulation entre la guérilla d'Argentine, celle du Uruguay et celle du Brésil, etc. S'il y a eu des collaborations entre les différents mouvements révolutionnaires ? Si les uns se connaissaient les uns les autres, voilà. Oui, il y a une. C'est ce que je parlais tout à l'heure avec la junte de coordination révolutionnaire. Il y a eu plusieurs sous-ensembles. Il y a eu, par exemple, dans le cas du mouvement, dans le cas des guérillas qu'il y a eu au Paraguay, qui est un pays qui est frontalier avec ses différents pays, avec ses différents, avec les voisins. Les guérillas d'opposition au régime de, si je ne me trompe pas, c'est Alfredo Stroessner, en général trouvaient refuge en Argentine ou au Chili. Donc les révolutionnaires chiliens, uruguayens, brésiliens, un peu moins parce que c'est la langue et c'est un peu différent, mais argentins se connaissaient, échangeaient, traversaient les frontières, etc. Et à l'inverse, la contre-insurrection a aussi travaillé ensemble. L'opération Condor, évidemment. Mais quand, par exemple, en prenant le cas de l'Uruguay, il y a beaucoup d'opposants uruguayens ou de membres des Tupamaros uruguayens qui ont été tués par la contre-insurrection argentine. Et puis, est-ce que par ailleurs, on connaît une quelconque articulation entre ces guérillas et par exemple le siège de la révolution à ce moment-là, c'est-à-dire l'Union soviétique? Il y en a un peu, ouais. Ouais, il y a des soutiens. Il y a des soutiens. C'est dans le cadre de la guerre froide, vu que la guerre froide est un affrontement binaire, logique anti-américaine, ils vont voir du côté de l'Union soviétique. Mais pour répondre à ta question aussi, il y a le rôle de Cuba. Et le régime cubain accueille des membres des Montoneros et des membres du MIR et participe un peu à ça aussi. Ils déploient, par exemple, dans les années 80, ils essaient de débarquer du matériel au Chili pour constituer une guérilla contre Pinochet. Voilà, donc c'est vraiment plusieurs acteurs, des interactions. Et aujourd'hui, il y a les foros de São Paulo qui regroupent à peu près tous ces partis. Hein, Thomas. Ouais. Il y a Carlos qui veut poser une question. Diga lá, Carlos, a gente traduz aqui. Ah, ok. Eu tenho uma pergunta que é referente às FARC, que recentemente o governo do Maduro começou a combater militarmente as FARC após a... os acordos de transformar as FARC num partido político. Dando mais um exemplo da máxima do professor Olavo, né, de que ninguém matou mais comunistas do que os próprios comunistas. Né? E eu gostaria de saber se você tem alguma informação do porquê a situação mudou tão radicalmente assim, já que existe um acordo entre os partidos políticos de esquerda do Foro de São Paulo de dar apoio às FARC. T'as tout compris, il faut que je traduise ou... Non, c'est bon, j'ai compris, ouais.
Bonne question. Je dirais que pour résumer, il y a vraiment des échanges en fait. C'est comme je vous l'ai dit, il y a la junte de coordination révolutionnaire entre le Chili, l'Argentine, l'Uruguay. Il y a des échanges entre le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela dans les années 60, 70, 80, 90. Les FARC, le Sentier lumineux, etc. Et il y a un troisième, je dirais, c'est l'Amérique centrale dans les années 80. Entre le Guatemala, le Salvador, la révolution sandiniste, les bases au Honduras, etc. Voilà. Il y a une régionalisation, une sous-régionalisation de l'affrontement entre la révolution et ses adversaires, pour résumer. Ah, c'est ça, ça dit bon, ça c'est intéressant. Et par rapport à ta question, Carlos, je savais pas hein, qu'il y a ces développements là en Amérique latine en ces moments. Intéressant. Ouais, c'est assez présent. C'est-à-dire qu'il a le Maduro est en train de combattre la FARC, quoi. C'est Exact. bizarre, Maduro est c'est l'Erdogan. C'est l'Erdogan latino-américain. Bon. Passons à la thématique 4. On a pour, je voulais juste en profiter pour les régimes contre-révolutionnaires, parce qu'on a vu la contre-insurrection. Mais faire un point sur ce qu'étaient vraiment ces régimes qui sont mis en place contre la Révolution. Ok, Rapidement allez. faire un point dessus. Donc, alors, il y a ces guérillas qui se mettent en place, et en réaction, il y a les secteurs qui leur sont opposés, donc les secteurs ultra-catholiques, catholiques, conservateurs, etc., qui envisagent une solution des forces armées contre ce qu'ils appellent la menace révolutionnaire, etc. Parmi ces défenseurs de l'action armée, on retrouve à la fois des gens qui considèrent l'action armée juste comme transitoire et ensuite qui doit donner lieu à des élections libres, et ensuite des personnes plus radicales qui envisagent l'établissement d'un régime révolutionnaire, militaire, pardon, complet. Le régime, le Brésil est le premier à connaître un régime militaire en 1964. C'est un coup d'État qui dure 3-4 semaines, il me semble, entre avril et mars, le temps qu'ils se mettent en place, parce qu'il y a des militaires qui restent fidèles à João Goulart, etc. Mais il me semble, le 1er 2 avril, le pays est tombé. Enfin, le pays est devenu un régime militaire. En 1973, là, en Uruguay, c'est un peu particulier, parce que il y a... Bordaberry, qui est un membre du. C'est une sorte de conservateur uruguayen, qui est élu démocratiquement en 1972, dans un contexte de crise économique, crise politique très grave, et qui fait un coup d'État lui-même. C'est-à-dire qu'il va voir les forces armées et il leur propose un régime civico-militaire, dans lequel il jouerait un rôle avec une sorte de junte militaire, enfin un truc assez comme ça. Voilà. En 73, il y a aussi le Chili, avec un coup d'État de plusieurs militaires, dont Gustavo Leis, qui est ensuite poussé à la retraite par Pinochet, et Pinochet qui prend le pouvoir en 74. Et enfin, l'Argentine, donc c'est plusieurs militaires qui renversent le régime d'Isabel Perón, qui était la femme de Juan Perón. Pour résumer, l'établissement de ces régimes militaires, ils interviennent dans des situations nationales de crise politique assez fortes, tensions urbaines, activités révolutionnaires, lutte armée, etc. Et dans certains cas aussi de crise économique assez importante. Au Chili, il y avait la dégradation de la situation économique liée au régime de Allende. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la politique d'Allende ou si c'est des facteurs extérieurs. Allende, la situation s'était dégradée économiquement. Uruguay aussi. Et puis au Brésil, il me semble qu'il y avait des problèmes d'inflation. Je ne sais pas si c'était aussi important. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, je voudrais juste complémenter par rapport au régime contre-révolutionnaire brésilien quelques éléments qui me paraissent intéressants.
Le premier, c'est qu'en vérité, il y a eu deux coups militaires, en fait. Parce qu'il est le premier qui est l'issue de la marche. D'ailleurs, j'ai lu dans ton livre ça. Il parle de la marche oui. avec Dieu, de la famille avec oui. Dieu, qui exact. Était à l'époque peut-être l'une des plus grandes manifestations du peuple brésilien qui est sorti dans la rue, qui était contre le régime des Goulard. Il y avait effectivement les soutiens de la classe bourgeoise, les soutiens de l'Église catholique, les exact. Grands médias de l'époque, tous les grands médias de l'époque étaient contre le gouvernement des Goulard, qui avait commencé à implémenter enfin, des politiques d'expropriation, etc. Et donc là, il y a le principal leader de la droite brésilienne à l'époque, qui était un conservateur, c'était Carlos Lacerda. Il est allé dans la radio pour explicitement faire appel à l'intervention de l'armée et ça, il y a eu lieu. En revanche, quand il y a eu lieu, en fait, c'est, si tu veux, c'est l'intervention de l'armée. Normalement, on devrait avoir une élection 6 mois après. Tout Mais, à fait, exactement. Donc, le militaire qui chapeautait cette intervention, c'était le militaire Castelo Branco, qui était un type petit, complexé. En fait, si vous voulez, Carlos Lacerda, il était beau, il parlait bien, tu vois. Il y allait à l'étranger pour faire des conférences à Harvard, etc. C'était un type hyper populaire, c'était un vrai leader en plus. Donc, il se trouve qu'il y avait une espèce de jalousie entre le général Castelo Branco et Carlos Lacerda, de façon qui, en gros, Carlos Lacerda, il était complètement écrasé. Tous les partis de la droite conservatrice qui avaient soutenu les coups militaires ont été écrasés par la suite par les régimes qui n'a pas organisé les élections 6 mois après et qui est resté au exact. Pouvoir. Quoi. Donc, il y avait deux coups militaires à la fois. Quoi. Et puis, effectivement, là, pour finaliser la dernière remarque que tu as faite, à la fin des années 80, il y a un vrai problème d'inflation. Exact. C'était peut-être l'épuisement de la politique développée implémenté par le régime. C'était l'un des éléments qui ont fait tomber, mais pas que ça. Je pense qu'il y a aussi cette composante de la gauche. En gros, elle a dominé les universités et la culture, en fait. Donc, la gauche, elle avait la culture dans la main, quoi. Donc, elle avait le pouvoir. Il y a ces deux éléments, je dirais. Pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait que, à la fois... une partie de l'opposition, alors on va dire civile ou modérée ou démocratique, aux révolutionnaires considère l'alternative d'un coup d'État militaire temporaire et qui doit donner lieu à une transition immédiate ou très proche. C'est un élément qu'on trouve dans les 4 pays qu'on traite, c'est au Chili. Au Chili, tu as par exemple Eduardo Frei Montalva, qui était un président de la démocratie chrétienne, qui était président juste avant, dont la devise était d'ailleurs la révolution dans la liberté. Face à la dégradation économique et politique du pays, à l'époque d'Allende, il voulait réunir plusieurs comme ça, avec des membres de l'État, enfin, des membres des officiers militaires, pour envisager une intervention militaire qui donne lieu ensuite à une transition démocratique. Donc ça, c'est vraiment assez général. C'est souvent un truc qu'on retrouve dans différents pays. Il y a un blocage d'un côté, donc on va se mettre d'accord momentanément et ensuite on avisera. Je suis d'accord, c'est l'un des éléments de la pensée contre-révolutionnaire latino-américaine, le fait que l'armée est le fidèle de la balance. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un impasse national, c'est à l'armée d'intervenir comme si elle était une espèce de pouvoir modérateur, en fait. Ça, s'il existait dans la monarchie brésilienne, comme si elle était le... Voilà, quoi, les derniers ressorts, hein, c'est-à-dire... Pas au Brésil, à l'heure actuelle. Comme au Brésil, à l'heure actuelle, hein. Mais je veux dire pas au Brésil à l'heure actuelle. Parce que, pas au Brésil à l'heure... Oui, juste... Non, les militaires, il leur manque un truc très simple, qui est les couilles. Parce qu'ils auraient fallu intervenir pour faire le pouvoir modérateur il y a quoi, 20 ans. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Mais c'est vrai que... Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que... Enfin, même s'ils ne le font pas,
ils ne le font pas. Dans les deux côtés, on voit par exemple dans le débat politique des deux côtés, il y a une espèce d'attente. J'ai déjà entendu par exemple des gens disent bah, en fait, il faut que l'armée fasse quelque chose. Et de l'autre côté aussi, il y en a qui disent bah, il faut que l'armée vire Bolsonaro, tu vois. Même il y a des ministres, c'est ça. Ministres de la Cour suprême. Donc, je veux dire, c'est juste, c'est l'un des éléments. C'est-à-dire que ça, c'est un réflexe existant dans l'Amérique latine qui n'existe pas forcément en France. C'est-à-dire, en France, par exemple, tu vois, en France, le pire qu'il soit, l'on passe politique. Moi, j'entends pas des gens dire, ouais, mais est-ce que le général, il devrait faire un coup d'état, quoi, tu vois, c'est... Non, non, il y a pas. Ce qui s'apparenterait à ce genre de situation. Alors, c'est, pardonnez ma méconnaissance, mais ça serait un peu peut-être ce qui s'est passé en 58 avec la crise algérienne et l'arrivée de De Gaulle. Ça serait un peu quelque chose comme ça, peut-être. Mais oui, on parle de... Il y a Samuel qui écrit le général Boulanger. Ouais, ça serait un peu comme ça, ouais, mais ça finit de façon tragicomique. Ouais, exact. Fait, ouais. Mais au Brésil, il faut supposer que les généraux n'ont pas d'idéologie. Hein. Les gens qui demandent l'intervention militaire, il faut d'abord supposer qu'ils ne sont pas sur l'influence des Non, ils sont positivistes, en fait. Mais ouais, voilà. En gros, ils disent qu'ils n'ont pas d'idéologie. Tu vois, ça, c'est marrant. On n'a pas d'idéologie, mais en fait, l'idéologie positiviste consiste à dire qu'ils n'ont pas d'idéologie. C'est le technocratisme. La technocratie est une idéologie aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je voulais faire un point pour rapidement définir ce que c'est ces régimes militaires. Quand on parle de contre-insurrection ou de contre-révolution, c'est bien particulier. C'est-à-dire que les régimes qu'il y a eu en place dans les années 70 au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Chili, ce ne sont pas des dictatures classiques de type République bananière en Amérique centrale, Porfirio Diaz ou ce genre de personnes. C'est la révolution est notre ennemi, la révolution est partout, nous devons l'endiguer, nous devons utiliser les méthodes de la révolution contre elle. Donc, c'est les quoi ? C'est les escadrons de la mort contre les guérillas. Et au point de vue gramscien, c'est la logique gramscienne contre la logique gramscienne, c'est-à-dire c'est extirper la révolution où elle est partout. Donc, si besoin, on fait disparaître des journalistes, des universitaires, des professeurs, des économistes, des prélats, etc. C'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, en Argentine, une répression, comment on appelle ça, complètement généralisée, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où le régime vous considère comme un ennemi, vous êtes un ennemi, et donc vous êtes un ennemi à faire disparaître ou à annihiler. On retrouve par exemple dans ces quatre pays des centres de torture clandestins, des processus de torture. Il y a aussi, comment on appelle ça ? Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, moi, je rajouterais des choses par rapport à ces répressions. C'est que, en effet, quand tu dis que le régime militaire il met en place une politique qui lutte contre la révolution partout où elle est présente, en fait, je dirais plus sur le plan militaire. C'est-à-dire que, dans le cas brésilien, il y a vraiment une mobilisation dans le sens d'écraser les guérillas, militairement. Exact, en fait. Tout à fait. Mais je dirais pas, je pense pas que l'action elle n'était pas dans tous les plans, dans le sens où la censure en fait elle existait, mais elle existait quand ils étaient en train faire une investigation en fait sur un type qui a voulu sauter une bombe quelque part, donc ils allaient dans les journaux en fait, à la porte des journaux, donc il faut pas mettre ça en circulation puisque c'est une investigation. Mais l'action du régime militaire, en tout cas brésilien, sur les plans culturels, sur les universités, a été complètement nul. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ont aidé la gauche, en fait. Il y avait des généraux, en fait, qui étaient adeptes de l'idéologie dans laquelle il faudrait avoir une espèce d'échappatoire pour la gauche, en fait. Et l'échappatoire, c'était la culture. Donc, les maisons d'édition... La théorie de la cocotte minute. C'est-à-dire... Les maisons d'édition des gauches, elles étaient subventionnées par l'État.
à cette époque, en fait. Les universités, elles étaient complètement dominées par les communistes, en fait. Hein? Après, on parle des communistes. Il y a effectivement cet acharnement sur les guérillas, mais dans le plan culturel, sur le reste, il n'y a jamais eu un documentaire anticommuniste, en fait, qui a tourné... qui tournait dans la télévision à cette époque, quoi. Tu vois, okay. C'était vraiment quelque chose de ciblé sur le plan militaire. Ok. J'en profite pour... Ouais, vas-y. Ok. J'en profite, du coup, pour vous montrer que... La mère, c'est le fait que... Bon, là, j'ai plutôt montré que les régimes contre-révolutionnaires qui s'établissent ont des points communs entre les uns et les autres, mais que, comme on l'a vu dans le cas brésilien, il y a vraiment des différences au final. Par exemple, en prenant le cas de l'Uruguay, le régime militaire est dû entre de 1973 à 1985, et c'est une association entre un président civil qui est coopté par un conseil de sécurité nationale militaire et ce conseil de sécurité nationale. C'est assez particulier comme dictature. C'est une dictature qui est vraiment civico-militaire dans laquelle l'Uruguay c'est le COSENA, donc conseil de sécurité nationale, qui coopte le président civil. Par exemple, à un moment, Bordaberry, il entre en conflit avec le COSENA parce qu'il veut réformer le pays et en faire une sorte de fascisme, en fait. Et le conseil, le COSENA, lui dit non et refuse, alors que c'est les propres militaires qui refusent ça. Donc, c'est pour bien montrer toute la complexité des dictatures et des militaires au rapport aux politiques. C'est assez marrant comme architecture, ouais, c'est une espèce de, on dirait un parlement, je ne sais pas si cette expression existe, mais un parlementarisme militaire, quoi. C'est ça, ils sont cooptés. C'est très particulier, ouais. J'avais vu ça, ça m'avait... C'est vraiment... En Argentine, c'était des gens de trois personnes qui se succédaient. C'est des gens de force aérienne, aviation, armée et marine. Voilà. Tiens, il y a un commentaire de Samuel là qui est assez marrant. Il dit, dans les cas français, tant Boulanger que De Gaulle ou même l'OAS avaient au moins des quartiers militaires réels et prêts à combattre des ennemis à l'extérieur. En Amérique latine, il me semble que c'est du pur corporativisme et de la défense du budget avant tout. Bonne question. Le régime, maintenant, je me souviens d'un truc, d'un point. Le régime militaire, il a mis le régime militaire argentin, entre la fin des années 70 et le début des années 80, il a mis en place ce qu'on pourrait appeler un interventionnisme contre-révolutionnaire, ce qu'on appelle le bataillon d'intelligence numéro 601. Il avait été déployé en Amérique centrale. Le régime militaire argentin a soutenu les Somozas contre les sandinistes au Nicaragua avant qu'ils tombent en 79. Ils ont soutenu le gouvernement guatémaltèque contre les guérillas au Guatemala et ils sont aussi intervenus au Salvador. J'en parle dans le livre et entre la fin des années 70 et le début des années 80, on va dire 1978-1982. Il y a eu un dispositif militaire argentin en Amérique centrale. Et puis, la célèbre invasion des Malouines aussi, hein, on va dire. Ouais, bah ça, du coup, c'est un peu le... Si quelqu'un s'intéresserait au dispositif militaire argentin, ça serait intéressant, quoi. Ils ont essayé de déployer un dispositif en Amérique centrale et après, ils se sont fait battre par le Royaume-Uni. Et c'est ce qui a donné les transitions, d'ailleurs. Ce serait un bon moyen Tu trouves beaucoup de parallèles entre ce qui se passait en Argentine avec un peu la fin du Deuxième Empire en France, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est un régime assez décadent, qui n'est pas aimé et qui s'engage dans une guerre un peu aventurière à l'étranger. Exact. Donc, les Argentins contre les Anglais, les Français contre la Prusse, et qui s'y font rattraper derrière, en fait. Et je vois un peu de parallèles entre les deux choses. Ouais, et je trouve que c'est une magnifique transition pour parler du coup des transitions à la démocratie et de la question des droits de l'homme.
du coup. Yes. Du coup, donc il y a la guerre des Malouines en Argentine contre le Royaume-Uni. Le régime se fait battre. Là, je crois que la guerre dure un mois, même pas. Très rapidement, ils se font battre, en fait. Ils envahissent les îles et Margaret Thatcher déploie les troupes. Et en 3-4 semaines, ils se sont fait battre. Le régime militaire tombe ensuite. Ils organisent des élections en 1982 ou 83. Et il y a Raoul Alfonsine de l'UCR qui est élu président. Voilà, donc là, c'est vraiment une défaite militaire qui a conduit au retour de la démocratie. Dans le cas du Brésil et de l'Uruguay, c'est un processus qui est amorcé par le régime militaire dès 1980, au Brésil et en Uruguay, à travers des référendums, des consultations populaires, des lois d'amnistie, etc., etc., etc. Et en 85, les élections. Du coup, dans les deux pays. Et en Chili, c'est en 89-90, avec le référendum de 88. Et la campagne du non. Il y a eu un très bon film d'ailleurs qui a été fait là-dessus. No. Comment il s'appelle ? Le film s'appelle No, avec No. Gabriel Garcia Bernal. D'accord. Il s'appelle No. Alors, sur ces transitions, alors il y a un aspect qui est assez intéressant, je parle du cas brésilien, c'est que les militaires, ils ont essayé d'établir dans le Brésil une espèce de régime bipartidaire, comme aux États-Unis. Exact. Tandis qu'au Brésil, il y avait à l'époque plusieurs forces politiques différentes. Il y avait le parti travailliste, tu vois, qui est des héritiers de Getúlio Vargas. Il y avait un parti conservateur catholique des droites qui était l'UDN. Il y avait le parti communiste. Il y avait les intégralistes. Bref, il y avait tout un ensemble de forces hétérogènes qui s'y battaient sur le plan politique. Et eux, ils ont écrasé tout ça et ils ont décidé de faire une espèce de bipartidarisme. Donc, il y avait l'ARENA à droite, c'était l'équivalent du Parti républicain, et l'MDB, qui était, si tu veux, l'espèce du Parti démocrate américain. MDB qui est devenu après le PMDB, qui est le Parti physiocrate brésilien par excellence. Mais en fait, ça déformait totalement le paysage politique brésilien, de façon qu'au moment où ils ont passé à la Nouvelle République, il y a eu, je ne sais pas, mais un phénomène où il y a une vingtaine de partis politiques aujourd'hui qui jouent en fait, mais qui n'ont aucune différence entre eux, essentielle, tu vois. Ça est devenu une espèce des entreprises personnelles des quelques pagés, là, des caciques. Tu prends une dizaine de partis, les partis travaillistes, les PP, machin, avec plein de partis différents, mais qui en gros sont tous pareils, quoi. C'est aucune différence fondamentale. J'avais vu ça, ouais, que le Brésil à l'heure actuelle, mais je crois que c'est une donnée qui est assez ancienne. Hein. Je pense qu'il pourrait monter à l'époque du varguisme. Le Brésil se caractérise vraiment par, comme ça, comme tu dis, plein de partis, plein de partis politiques comme ça qui se. Des partis qui ne représentent, qui n'incarnent pas une idéologie. Pas individuellement. Qui n'incarne pas d'idéologie. Même Bolsonaro, il n'a pas de parti politique. Il est du parti, il était du parti social-libéral. Enfin, il n'y a rien de social. Il y avait une politique libérale, mais sociale, c'était pas ça la dimension de son programme. Et avant, il était dans le PPS, c'était le parti progressiste social, je veux dire. N'importe quoi, quoi. Et il y a ça. Aujourd'hui, nous avons 33 partis légalisés. Aujourd'hui, au Brésil. 33. Mais j'ai entendu Fernando Henrique, il a dit qu'ils étaient tellement, si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça le faisait tellement chier à l'époque du régime militaire de ne pas pouvoir monter un parti, que finalement, quand il y a la redémocratisation, on va dire, ils ont décidé de créer. Donc ça, c'est une peculiarité brésilienne. Je ne sais pas si les autres régimes commencent à se concrétiser, mais dans le cas brésilien, c'est ça. Je sais qu'en Uruguay, il y a eu le cas de. Ce qui s'est passé, c'est que. Alors, très bonne question. Au Chili, il y a eu, en 88, comme je vous l'ai dit, il y a eu un référendum. C'est-à-dire, la constitution faite sous Pinochet en 80
prévoyait une sorte de mandat de Pinochet pour 8 ans, donc 80-88. Et en 88, ils ont fait un référendum, c'est-à-dire est-ce que le peuple chilien veut 8 ans de plus avec Pinochet ou autre chose ? Et autre chose, c'est évidemment la transition à la démocratie. Il y avait eu toute une campagne électorale qui avait été mise en place. Le camp du non avait 15 minutes chaque jour, c'est ça, 15 minutes chaque jour d'antenne où ils pouvaient passer des spots publicitaires. Et c'est finalement le non qui a gagné. Et ce qui s'est passé, c'est que juste avant et juste après, plus tard, ils se sont éclatés, mais les partis d'opposition, donc de gauche à droite, se sont réunis dans une sorte de grande fédération pour le non. Je crois que c'était la Concertation pour la démocratie. Et ça alliait de la social-démocratie au Parti socialiste, voire même Lumière. Voilà. Okay. Et par contre, en Uruguay, c'était le Frente Amplio, qui est une fédération de partis de gauchistes, trotskistes, anciennes guérillas, etc. Oui, bon, Carlos parlait de paroxysme brésilien, qui en gros Bolsonaro, il y était pendant des décennies dans les partis progressistes. C'était le principal, c'était l'étoile, les stars du parti progressiste brésilien. Et que la dernière élection, si tu veux, le parti d'extrême gauche, il y avait un pasteur en fait qui n'aimait pas les homos, tout ça, dans les partis homo par excellence, tu vois. Pour les droits LGBT par excellence, qui était l'épée seule, en fait. C'est... Bref, c'est des dysfonctionnements, ce sont des reflets de cette époque, qui sont encore présents aujourd'hui. Quoi. C'est tellement des pays. Je pense que ces quatre pays, ils ont. Déjà, on a vu que c'est des régimes contre-révolutionnaires qui étaient vraiment particuliers les uns les autres, militaires au pouvoir, civils, militaires, etc. Mais du coup, c'est des. 10 ans, 5 ans ou 20 ans après d'autoritarisme, forcément, les situations nationales se caractérisent par plein de partis, peu de partis, des mouvements de front commun, etc. Quoi. Ouais. Après, les situations politiques évoluent complètement. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez des doutes par rapport à si vous vouliez voir plus précisément l'Argentine ou... Enfin, l'Argentine, on l'a vu, mais... L'Uruguay, le Chili, la transition, ou on passe directement aux droits de l'homme ? Non, tu peux parler, ouais, passer rapidement sur comment ça s'est déployé, la transition, ouais. Chez nos amis chiliens et uruguayens. Et puis après, tu peux enchaîner direct sur la question du droit de l'homme. Ok, je vais prendre le cas de l'Uruguay, vu qu'on n'a pas trop parlé. L'idée que... Vous m'aviez parlé sur le cas du Brésil qu'il y a beaucoup de profils militaires particuliers, c'est pas juste militaire égal réactionnaire, et qu'il y a pas mal de militaires qui sont aussi dans une perspective sociale ou moins conciliatrice. C'est aussi présent en Uruguay. En 1980, il y a un référendum qui est fait dans le pays pour savoir si le peuple uruguayen veut maintenir cet équilibre de pouvoir entre civil et co-sénat ou s'il veut passer à la transition. Du coup, c'est la volonté de transition qui gagne. Donc, le régime en place met un plan d'action, un processus qui doit se traduire par des élections libres. Alors, au début, ils s'accordent avec plusieurs partis politiques, c'est-à-dire qu'ils réunissent les partis politiques et leur disent « Écoutez, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça », et ils signent un papier. Les seuls qui sont exclus, c'est les Tupamaros et le Frente Amplio, donc la gauche radicale, on va dire. Vu qu'ils sont exclus, les autres partis rejettent la proposition du régime militaire et tous les partis politiques se réunissent. Ils organisent des manifestations vers 1982-1985. Face à l'ampleur des contestations, le régime militaire est un peu bloqué, on va dire, et la transition s'accélère. Et en 1985, il y a des élections libres. Voilà. Donc, on voit bien que c'est assez complexe, en fait. C'est pas, les militaires essaient, quand ils voient que la situation leur échappe des mains, ils reprennent ils renforcent la politique répressive. C'est complexe. Quoi.
Voilà. Okay. Donc pour le droit de l'homme. Ouais. Il y a plusieurs transitions, il y a plusieurs commissions nationales qui sont mises en place dans ces quatre pays. L'idée, c'est il y a plusieurs points. J'en parle dans le livre. C'est à la fois de faire un peu le point sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire les violations des droits de l'homme, d'expliquer, donc de rendre hommage aux victimes leur rendant hommage en leur donnant une existence. Parce que, par exemple, en Argentine, on a une situation où, en fait, les gens, on ne sait pas où sont les personnes. C'est des disparus. On ne sait pas. Les familles cherchent des disparus. C'est tout le problème. Donc, il y a le gouvernement argentin post-dictature met en place une commission pour les disparus afin de retrouver les corps, retrouver mettre des noms sur des corps et que les familles puissent faire leur deuil. Il y a aussi en Argentine une autre commission qui se charge de trouver les enfants. Parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce qui s'est passé, c'est que... on va prendre un exemple. Vous êtes un couple de Montoneros. Le gouvernement vous fait disparaître via des structures, comme on a vu, paramilitaires, parapolicières. Et vous aviez un enfant, et cet enfant est donné à une autre famille, sous une fausse identité. Vos parents, donc les grands-parents, les grands-mères, se sont mobilisés pour pouvoir retrouver à la fois le corps de leurs enfants et pouvoir retrouver leurs petits-enfants, savoir où ils sont. Voilà. C'est les grands-mères de la place de Mai. C'est une association qui a été pas mal connue en Argentine, qui a fait pas mal d'activités et qui a contribué à diffuser ce qui s'était passé. Parce que paradoxalement, il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas. Les gens ne sont pas où sont passés leurs frères. Ils ont un frère qui est porté disparu et ils ne savent pas où il est. C'est vraiment problème. C'est vrai que c'est atroce quand on y pense. Vous ne savez pas où est votre enfant. Le corps, même le corps, vraiment pour faire votre deuil, vous ne savez pas où il est. C'est tout le problème. Les familles ne peuvent pas faire leur deuil vu qu'ils ne savent pas où ils sont. Au Brésil, il y a une commission qui a été mise en place par Dilma Rousseff. Il me semble que c'était en 2011. À l'époque de Dilma Rousseff, Commission pour la vérité. Commission nationale pour la vérité. Commission 1, c'est ça. C'est ça. En Uruguay, il y a eu une commission en 2001. Au Chili, c'est plus complexe. Il y a eu des rapports qui ont été rendus. Il y a eu le rapport Véric, le rapport éthique et le rapport, je ne sais plus, mais il y a eu deux rapports qui ont listé les violations qui ont été faites, les violations des droits de l'homme, etc. Dans le cas de, je ne sais plus dans quel cas, dans le cas de l'Argentine, il y a eu un jugement qui a été fait contre Videla, le militaire qui était en place. En 1985, le jugement contre la junte, ça s'appelait. Voilà. Je crois qu'il y a fini de parler, mon enfant. Il y a Samuel qui pose une question intéressante. Il demande combien de cas, si par hasard on peut le répondre, parce qu'on peut y répondre. Il dit combien de cas de faux disparus y a-t-il en Argentine ? Parce qu'en Colombie, le cas du colonel Plazas montre aussi l'autre partie de cette question de disparu, où des faux cas sont créés pour permettre la guerre politique contre les militaires. Ouais. Bonne question. Je pensais à ça aussi parce que l'histoire de la commission de vérité de Dilma, c'est que du pipeau. Hein. C'est juste pour culpabiliser ceux qui ont été leurs ennemis auparavant. C'est uniquement ça. Ok. Ouais, c'est sans fin en fait, parce que l'affrontement entre révolution et leurs adversaires,
continue jusqu'à maintenant, quoi. Alors, ils mettent, c'est ce que vous dites, quoi. Ils mettent des commissions, mais on ne sait pas, on sait jamais si c'est si des commissions objectives ou ouais, c'est sans fin, quoi. Il y a toujours du politique, quoi. Une preuve pour cette histoire, pour le caractère complètement théâtral de la commission de la vérité, est que on n'écoutait que les gens de gauche qui manifestaient. Tous ceux qui étaient accusés, même s'ils étaient vivants encore, donc des agents qui auraient soi-disant torturé des personnes et tout, ils venaient en tant qu'accusés, mais ils ne pouvaient pas se manifester. D'accord. Ouais, c'est une séance de comment dire, c'est de bordel. Ouais, c'est de bordel. C'est pas ce que je voulais dire, mais ça s'applique aussi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'en 2011, lors de l'établissement de la commission, nous vivions dans une espèce d'hégémonie culturelle du camp de la Révolution, on va dire comme ça. De façon que les précédents militaires qui étaient si terribles dans les années 60 n'étaient que des pauvres vieillards, en fait, sans aucun soutien au sein de la société. Et, en fait, c'était juste pas... C'était de la pure vengeance. Je pense que quand les forces... Quand il y a une vraie polarisation, en fait, que les forces sont plus équilibrées, ces tentatives, en fait, de régler le passé, en fait, ça s'apaise, en fait. Parce qu'il vaut mieux faire la paix que... Tu vois, parce que... Je sais plus dans quel... Ouais, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, et donc aujourd'hui, par exemple, ça ne parle plus. Enfin, ce n'est plus un sujet, justement, car il y a eu une espèce de renaissance du mouvement conservateur, libéral-conservateur, en fait, et des manières que les forces politiques se sont équilibrées de telle manière qu'on ne parle plus des commissions de la vérité comme on le faisait dans les années 2010, vers les 2010. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à un point. J'en parle dans le livre, mais alors j'ai oublié. J'ai le livre à côté de moi, mais je sais plus où j'en parle. Il me semble que c'est en Uruguay ou en Argentine. Il y a une des commissions, évidemment, qui énumère, qui étudie, analyse les violations des droits de l'homme commises par la contre-insurrection ou le régime militaire, mais qui s'intéresse aussi aux exactions commises par les guérillas. Je ne sais plus si c'est en Argentine ou en Uruguay, mais on peut le retrouver dans le livre. Ouais. Et du coup, c'est bien parce que ça montre les actes de violence des deux côtés, quoi. Parce que comme les années de plomb dont on a parlé, c'est des deux côtés, hein. Les attaques de banques, les séquestrations, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, c'est des deux côtés, les violences. C'est asymétrique, mais c'est une violence multilatérale. Et il faut le dire que beaucoup d'entre eux ne luttaient pas pour la démocratie. Il y en a qui même... Non, bien sûr. Ils luttaient pour la dictature du prolétariat. Il y en a qui confessent ça. Et qui, en même temps, à Cuba, il y avait des civils désarmés qui s'est fait fusiller aussi. Donc, tu vois que ce n'est pas juste bisounours, son truc. Il y a le camp du bien d'un côté, il y a les méchants d'un côté, il est gentil de l'autre. Quoi. C'est plus complexe. Bon exemple, c'est que Thomas a cité tout à l'heure, était le manuel de Marighella. Carlos Marighella. Donc, il n'y a pas... Je n'ai pas eu l'occasion, l'option de lire. Mais j'ai écouté des gens qui disent comme ça. Si tu prends cet manuel-là, tu ne trouves pas aucune fois le mot démocratie. Donc, exact. C'est plutôt un manuel de l'implantation, de la mise en place de la dictature de gauchiste, de prolétariat. C'est ça. J'ai le livre. Enfin, j'ai le livre. J'avais réussi à le trouver. Il est en portugais, d'ailleurs. Et oui, dans le manuel, je l'avais lu en diagonale et bon, il est en portugais, mais il ne se cache pas sur le fait que c'est des actions violentes. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, quoi. C'est
Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, s'il faut tuer des gens, on le fera. S'il faut attaquer. C'est tout ce qu'on voit dans les années 70, quoi. Les Palestiniens, le septembre noir en 72-73, les mecs se cachent pas, hein. C'est pas des enfants de cour. Hein. C'était des hommes d'une trempe différente, n'est-ce pas, Thomas? On a Tout à fait. l'impression que des deux côtés, hein, Exact. je veux dire, c'était des jeunes qui étaient plutôt dans l'action, des gens Oui. qui avaient un courage des ouf, on va dire. Même Exact. José Dirceu, qui est, on va dire, les grands intellectuels du Parti des Travaillistes, en fait, c'est un homme des fers, quoi. Je veux dire, à l'époque, faisait des choses qui sont inimaginables. Exactement. Aujourd'hui, quoi. Il C'est y a vrai. eu un, ouais, il y a eu un, il y a eu vraiment un changement de, au-delà même des idées, comme tu l'as très bien indiqué, il y a eu vraiment un changement de mentalité ou alors anthropologique entre 1900. Bon, c'était il y a 50 ans. 50 ans, il se passe beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'était des gens, ils étaient waouh quoi. Enfin waouh, c'est pas des exemples, c'est violence qu'ils font, mais oui, il faisait des choses. Aujourd'hui, on n'en serait pas capable. Enfin, Oui, j'entends, aujourd'hui, ouais. les Montoneros, c'était des gens de notre âge. Ils faisaient des trucs. Tu te dis, putain, c'est pas possible, quoi. Ils prenaient les armes. Waouh, c'est pas un tweet, quoi. C'est pas, ils font un tweet, ils crient à la dictature et ils font un tweet. Non, ils passent à l'action, quoi. Je sais pas. Mais Ça, c'est pour ça c'est un que très chouette il y a beaucoup. thème pour un prochain débat, c'est... Qu'est-ce qui nous écarte de nos aïeux récents, notamment en ce qui concerne le plan sociopolitique, et pourquoi est-il aussi difficile de passer à la dernière raison, c'est-à-dire à l'emploi des armes? Moi, je pense qu'il y a. Alors, bon, là, on va s'écarter du sujet. De toute façon, on a quasiment fini le point. Mais quand on regarde, je sais pas, mais quand on regarde les différents itinéraires de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, des gens qui ont vraiment mis au point un truc politique, on regarde que ça soit De Gaulle, Péron, tout ça, ils ont souvent certaines étapes obligées. Soit ils écrivent un livre, soit ils partent vivre à l'étranger, soit ils font un mouvement, soit ils font l'armée, soit ils vivent la guerre, soit ils vivent des trucs comme ça, quoi. Donc je pense que c'est ça le truc. C'est qu'on est des sociétés de paix jusqu'à maintenant. Je pense que ça va changer. Comme vous l'aviez souligné, on est dans une époque de transition. Mais on va dire de 2000 à 2020, du moins en Europe, dans un certain sens, C'était on est des assez sociétés cool. de paix, on ne connaît plus la mort, en fait. Je pense Ouais. que c'est ça qui fait le fait de. Je pense que c'est ça. Et c'est ça qui fout la trouille à tout le monde aujourd'hui avec cette histoire de Covid aussi, parce que les C'est gens, ça. je pense que pendant 20 ans, tout le monde a oublié qu'il mourait, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est Non, vrai. mais je pense que c'est exactement ça. Tout à Ah, fait. tiens. Étant donné que les gens ne vivent plus, parce que. Alors, ils ont plus conscience de la mort, mais en même temps, ils vivent plus. Donc, c'est un non-non, c'est un nini. Ouais. C'est ça, en fait, quand je me suis pas mal intéressé aux années 70, bon, il n'y a pas que du bon, c'est quand même des actes violents de part et d'autre, mais c'est à 50 ans de différence, 50, 40, 50 ans de différence, c'est des trucs, c'est des types humains que, bon, aujourd'hui, ils seraient vieux, c'est nos grands-grands, enfin, c'est nos grands-parents ou arrière-grands-parents, mais ils vivaient intensément, quoi, c'est. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs une partie de ces anciens guérilleros qui n'ont pas évolué vers la social-démocratie, le gauchisme ou je ne sais pas quoi, une partie d'eux aujourd'hui sont dans une optique peut-être pas souverainiste, mais du moins critique du gauchisme actuel. Des gens comme Régis Debray aujourd'hui dénoncent ce qui commence à évoluer tout ça, le fait que Daniel Cohn-Bendit parle avec Macron, tout ça. Bon, il explique que c'était prévisible, mais il montre bien ils n'ont pas tous évolué vers le gauchisme, en fait, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y en a certains qui disent non, non, mais on ne s'est pas battu pour ça, quoi.
C'est ça, quoi. C'est... Et ce qui est une autre chose intéressante, on parlait comment, tout à l'heure de comment les choses, lorsqu'elles se concrétisent, elles parfois deviennent les contraires de ce qu'elles supposaient être au départ. La génération qui a commencé dans les années 60 en disant « il est interdit d'interdire », tout à fait, incarne les plus grands castrateurs, en fait, de l'histoire, quoi. Parce que tu regardes, ouais, ces gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, tout est interdit, quoi. J'étais allé à la boulangerie ce matin, je demande un sac. Ah, est-ce que vous avez un sac? Non, on n'a pas le droit d'avoir un sac. On n'a pas le droit de marcher. On n'a pas le droit de... Et on n'a pas le droit de plus rien foutre, quoi. Mais ils ont ça. Et ces salopards, ils ont commencé en disant qu'il est interdit d'interdire, quoi. Non, mais ça, c'est logique. Moi, je pense qu'il faut se méfier... Enfin, au point de vue politique, bon, ça, c'est un peu mon opinion personnelle, mais au point de vue politique, quand même, au point de vue social, au point de vue des relations humaines, je pense qu'il faut se méfier. Peut-être que Hegel ou Nietzsche ou Marx, ils ont écrit là-dessus, mais il faut se méfier des gens qui... Comment on appelle ça ? Qui font des grandes déclarations sur certains trucs, parce qu'en général, ils font le contraire. C'est-à-dire, il faut... des gens qui parlent beaucoup, 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 beaucoup d'amour, et en général, c'est les plus hypocrites et les plus salauds, quoi. Ouais. Enfin, c'est mon opinion, mais bon, je l'ai souvent vérifié en tout cas. Mais ici, nous avons la vieille démagogie. Ouais, c'est ça. C'est souvent le. Ouais, je vois écrit dans les murs ici, fraternité, égalité, liberté, mais c'est fraternité, égalité et confiné. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Tout le monde également confiné. Également fait. Voilà, c'est ça. On est fraternels dans le confinement. Sauf à l'épicine, semble-t-il, où ils ont organisé un super repas non confiné. Philippe, ton micro. De quoi ? Ton microphone, la cabeça. Ah, la cabeça. Mais là. Non, Et sauf à l'Élysée et moi, parce que moi j'avais croisé la France pour venir ici en Bretagne, ouais, pour un motif impérieux, pas impérieux. Pour un motif familial impérieux, évidemment. Je voulais en profiter pour parler un peu du Mexique, pour parler de la société actuelle mexicaine. Plusieurs fois, je raconte un peu... ce que je vois ou ce que j'ai vécu, parce que bon, ça va faire trois ans que je suis parti de France, donc je ne suis pas vraiment au fait de l'actualité française, mais de ce que j'écoute, je vois sur l'actualité française, j'en parle avec ma copine mexicaine, et il y a des fois, elle ne comprend pas, quoi. Mais genre, vraiment, elle ne comprend pas. Par exemple, quand tu parlais du côté castrateur, ici, ça existe. Enfin, non, ça n'existe pas. C'est d'autres limites, mais par exemple... ici, tu veux vendre des cacahuètes, tu vends des cacahuètes, c'est aussi simple que ça. Non, vraiment, il faut faire un peu plus de choses, mais c'est tout. Il n'y a pas du tout de monter des papiers, de faire des trucs. Et des fois, je raconte des trucs, mais elles me disent, c'est pas possible, c'est dingue. Les trucs, pour faire un truc de PME, tout de suite, il faut... Ici, non, ils ont... Je pense vraiment que il y a une partie de la société mexicaine qui vit aussi à l'heure européenne, dans les quartiers riches, tout ça. Mais la vraie société mexicaine locale, non, ils sont encore... c'est vraiment pour moi la France des années 70-80 encore. C'est vraiment le truc... Ils ont évidemment les défauts de cette époque, mais tout le côté aujourd'hui négatif qu'on a en France, ils n'ont pas encore. C'est en train d'arriver doucement, mais ce n'est pas encore vraiment présent, quoi. Au Brésil, pareil, hein. On voit, c'est ça. On voit que petit à petit, ça se déploie. C'est comme si on était peut-être en retard par rapport à une évolution, une progression qui se déploie. Ça évolue. Mais c'est encore, ça va, c'est encore, ils ont le côté. En fait, c'est une autre réalité. Je pense que c'est pareil au Brésil. En fait, il faut connaître les codes parce que là. Si tu connais pas les codes ici, tu meurs ou enfin tu galères beaucoup beaucoup. Mais quand tu sais comment faire les choses, ça va. Tu vis. Il y a pas ce côté ici. Malgré qu'il y a du problème, il y a une insécurité due à l'emploi informel, il y a le narcotrafic, mais les gens sont encore dans le côté vivre, on va dire.
Oui, on peut mourir, mais tant qu'on n'est pas mort, on vit. Donc, bon, c'est un peu... C'est ce que parlait tout à l'heure Felipe, quoi. Il y a encore ce côté... Il n'y a pas tout le côté qu'on trouve chez les gens de 30, 40 ans, peut-être, ou plus, mais ce côté... le gouvernement a dit ça, donc non, c'est... Mais bon, c'est les défauts, c'est les défauts et les qualités, en fait. C'est que... Oui. Tu vois, c'est différent, quoi. Oui, tout à fait. C'est assez... voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout de des thématiques. Ouais. Ouais, donc... merci pour cette exposition intéressante qui ne couvre pas tous les éléments qu'il y a dans le livre. Il y a encore énormément des choses qu'on n'avons pas abordées, mais c'est... Fais un peu la pub, là. Montre-nous la couverture et tout. Attends, je prends... J'ai le livre ici. La couverture, c'est l'éditeur. Hein. C'est un choix éditorial. Donc, ici, voilà, Guérilla en Amérique latine, 1959-1989, VA édition, vous pouvez le commander. Faire ou défaire la révolution. Ouais. Faire accomplir ou défaire la révolution, ouais, c'est... Et c'est un gros pavé, hein. Vous voyez bien qu'il y a pas mal des pages, hein. Donc il faut y aller, quoi. Il faut prendre du temps, mais en fait, c'est très intéressant. Ouais. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était... Moi, j'avoue que j'aime beaucoup, j'ai un intérêt personnel pour le passé et l'actualité Argentine, Brésil, Uruguay, Chili, tout ce qui est le cône sud, j'aime bien. Mais je parle aussi de la Colombie, de l'Amérique centrale, de Cuba, du Mexique, du Pérou, de la Bolivie, du Paraguay, etc. Donc, ça couvre vraiment différent, comme a dit Eric. Là, aujourd'hui, on a vu un point, on va dire. On a vu une thématique, une grosse thématique. Nous avons une thématique. Donc, pour le public francophone, n'hésitez pas à acheter. Hein. Tu peux acheter où, Thomas? Comment on fait? Voilà, on va faire la pub, là. Je l'ai trouvé dans le site, VA Edition. Il est déjà disponible. J'ai déjà commandé, mais ce n'est pas arrivé. J'ai commandé hier. Ah, bah ça va. Ça va arriver. Ça arrivera lundi, mardi. Cette semaine. Oui. Ouais. Et sur Amazon, non? Oui, il est sur Amazon, il est sur la FNAC et il est sur tout un réseau de librairies et de centres culturels français. Deux Citres. Des librairies à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Rennes. Enfin voilà, sur Amazon, sur la FNAC, etc. Gibert Jeune apparemment a fermé, je l'ai appris. Dommage d'ailleurs. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est une page qui se tourne. Ça marche. Donc, voilà. Merci à tous. Et puis, Carlos, notre expert technique.